génial. Hey, bien ou quoi? Ça y est, je suis arrivé à Bangkok et je dois t'avouer que ça s'annonce vraiment pas mal. Ça s'annonce vraiment pas mal. En plus, on est dans un hôtel de fou furieux. Bah attends, faut que je t'explique, hein, parce que je suis pas mon père, ça va pas pour Burberry, hein, loin de là. Mais on est dans un hôtel 5 étoiles avec cette espèce de pestiféré qui a des béquilles. Alors attends. Mais on n'était pas censé finir là. En fait, moi, enfin, j'étais pas du tout censé finir là en fait. Rémi a eu des réducts de 75%, donc du coup il se met bien, je sais pas comment il a fait. Et il voulait faire le prince, il a voulu inviter sa copine. Sauf que celle-ci, pour des raisons personnelles, ne peut pas venir. Donc du coup il se retrouve avec ça. Voilà, très bien. Donc du coup je te raconte pas la tête des nanas en bas à l'accueil. On est arrivé deux mecs en mode gros gitan, lui avec ses béquilles, en mode ouais on a réservé. Tu sais, ils nous ont accueillis et ils nous ont fait oui on peut vous aider. Genre c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Après, ils ont dû penser qu'on était un couple relativement homo. Parce qu'elles ont beaucoup ri quand elles nous ont demandé quel genre de lit on voulait. T'sais. Genre lit double ou deux lits séparés. Donc, du coup, voilà comment s'amorce le voyage au Vietnam. Putain, j'ai n'importe quoi. En Thaïlande. je sais plus où je suis. On est à Bangkok en Thaïlande, putain. Et du coup, voilà. Donc là, je vais te montrer un petit peu ce qu'on a vu en arrivant en Thaïlande. Deux, trois paysages plutôt sympas. J'espère que ça va te faire plaisir, on part sur un petit vlog au calme, tranquillou, sans prétention. On est parti. Là, je crois. Hein. C'est une bête. Faut pas le chercher, genre. C'est sûr, il y a son père dans l'eau qui nous entoure. Ok, Thaïlande jour 2, donc on a changé d'hôtel, on est arrivé dans le truc backpacker, on a rencontré un mec de Miami et un mec du Canada, il vient d'où? Vancouver. Et là on part se balader jusqu'au... Ouais d'ailleurs, putain je suis perdu moi. Le Grand Palace. Grand Palace, voilà. Le Grand Palais. Le Grand Chef. Comme d'hab, on va dans un pays étranger en Asie, on tape la saison des pluies. Voilà. On l'a eu à Okinawa, on l'a partout en fait. C'est ça qui est important. Si tu viens en voyage avec moi, prépare ton anorak. C'est ce qu'il faut savoir. Monsieur Clouet, vos impressions? Magnifique. Je suis ému. Je suis ému. Je pleure. C'est génial. Moi, je dirais pas qu'il fait chaud. C'est pas le terme adéquat. Je dirais que je vais me liquéfier dans les 5 secondes qui y arrivent là. Bon, du coup, là, on est dans le palais impérial, donc quelque chose qui s'appelle à peu près comme ça. J'ai vu des endroits assez incroyables en Asie. Hein. Mais alors là, les détails sur les piliers, sur les toits, sur les statues, c'est un truc de malade, un truc de malade. Ah non, là vraiment je suis comme un gamin, regarde-moi ces paysages. The name of the disco qui m'a fait un petit
Chinois se fout de ma gueule. Je filme, il passe devant, t'sais. Bon bref, toujours est-il que ça me fait virer. Ils te mettent Bouddha, c'est pas pour la décoration et c'est pas... Genre, tu peux pas te le faire tatouer. C'est génial. Les rois du bling bling. Donc ça y est, on sort du Grand Palais. C'est incroyable, mais le plus incroyable c'est les touristes chinois qui sont venus nous prendre en photo avec Rémi. Genre ils sont bien avec nous, même pas une fille, il y avait une fille, mais il y avait surtout des mecs. Et les mecs ils ont pris la photo, ils étaient trop contents, en mode ouais, handsome, handsome. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette photo? Ils vont rentrer en Chine, ils vont montrer ça à tous leurs potes, ouais regarde. Ces gens me font virer. T'en penses quoi? Là il ferme là, je comprends rien. Monsieur Farol, j'ai pas l'accent aussi. Non t'es dégueulasse. Ah ça se prononce mal comme ça. Ça veut dire quoi? Deux accents. Ça veut dire quoi? De rien, merci, je suis français. Super. Mais attends, y'a pas l'intonation, c'est de la merde, personne comprend ça. J'espère que j'ai réussi à filmer correctement parce que j'ai explosé la perche pour ma GoPro quand je suis arrivé à Bangkok. J'espère que la vidéo va pas être trop dégueulasse. On compte sur mes talents d'artiste. Si je me laisse pousser les cheveux, c'est parce qu'en fait, je suis un descendant de Jésus. Ain't no sunshine when she's gone, so I'm rapping on the microphone.